Albert, Alexandre, Louis, Pierre est né le 14 mars 1958, à 10h47. Il est le second enfant du prince Rainier III et de son épouse l'ancienne actrice américaine Grace Kelly. À l'époque, l'aîné de la fratrie, Caroline, a 14 mois. Commence alors pour lui l'accomplissement d'un destin de prince héritier du trône. Si son enfance est rythmée par les représentations officielles, il demeure choyé comme tout petit garçon. Ce n'est qu'à l'adolescence qu'il doit se préparer à être un jour le prince souverain de la principauté de Monaco. Il doit commencer à apprendre le protocole, les usages mais aussi toutes les questions stratégiques nécessaires à une bonne gouvernance de Monaco. En 1976, Albert II de Monaco obtient son baccalauréat après des années passées au lycée Albert Ier. Il choisit alors de se diriger sans trop de surprise vers l'étude des sciences politiques aux États-Unis à l'Amherst College. Loin de son rocher, il obtient une licence et décide de suivre une formation militaire à l'école navale française à bord du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. Il y reste pendant près de 2 ans avant d'être nommé colonel de la compagnie des carabiniers du prince en 1986, puis lieutenant de vaisseau, capitaine de corvette de réserve dans le corps des officiers de la marine française. Autant de grades qu'il affiche sur son uniforme à certaines occasions, au fil des années. Mais le vrai virage mettant fin à l'once de liberté qui lui restait est bien la douloureuse mort de son père en 2005. Rainier III laisse place à Albert II. Depuis, il est chef d'État mais aussi époux et père. Loin des premiers instants tranquilles où Grace Kelly le tenait tendrement dans ses bras quelques heures après sa naissance. On your own, but yeah.